Voilà. Je viens à peine de finir l'affaire Tata Aline Zomombeng et l'autre. J'enchaîne directement avec Ducamère à Reine Galloise. Là, on va un peu rigoler. Vraiment, Ducamère. J'ai suivi le direct de la Reine Galloise aujourd'hui, étape par étape. J'ai failli d'abord mourir de rire parce que, je ne veux pas vous mentir, Ducamère clash Lolo Fondia depuis longtemps. Lolo Fondia était sorti, elle a aboyé sur Ducamère, non, mais ça, c'était rien. La Reine Galloise a sorti le grand frère sur Ducamère. Donc, elle a fait ça dans le style de Flor de Lis. Vous savez, quand Flor de Lis clash, elle fait rire avec son humour. Vous savez, et la Reine Galloise, c'est aussi une femme qui connaît bien faire l'humour. Elle a essuyé Ducamère. Moi, j'ai failli mourir de rire. Elle a essuyé Ducamère en vrai. J'ai publié la vidéo là sur la chaîne secondaire. Je vais, quand j'aurai le temps, je risque de découper un peu certaines parties-là qui sont très intéressantes. On va faire le repère humoristique avec. Elle a essuyé Ducamère comme jamais. Tout ça parce que Ducamère, tous ces derniers temps, je ne sais pas ce qui lui arrive. Vrai, je ne sais pas. Après avoir enchaîné, pété les plombs sur Lolo Fondia, il est parti parler l'affaire d'Alice la Merveilleuse. Comme les gens. Vous savez, Alice la Merveilleuse, quand elle publie son enfant depuis le premier jour, elle couvre de partout. Fashion Police Congo, ça a tellement cherché à voir l'enfant qu'ils ont créé une histoire que l'enfant était noir. Donc, ils connaissent toujours choquer les gens. Et Alice la Merveilleuse est presque tombée dans le piège parce qu'elle est tombée dans le piège, elle a commencé à répondre avec les posts et tout, insulter Fashion Police Congo, ça. Elle a même fait une directe qui a venu parler un peu de ça, elle parlait de ça légèrement. Ducamère, lui aussi, il a parlé de ça et il a commencé plutôt à dire que l'anga, en quelque sorte, parce que ce ne sont pas les propos qu'il a vraiment tenus, mais le langage qu'il tenait disait que l'anga, c'est une rombière. C'est-à-dire, elle tue dehors et elle vient embrouiller le blanc avec. C'est un peu le genre là. C'est ce qu'il était en train de dire. Et il riait. Et quand les gens lui disaient, il y a des gens qui ont téléphoné dans le direct de Ducamère et lui dit que, mon frère, ça c'est une affaire très sensible. On parle souvent des sujets, non? Mais l'anga là, qu'elle a raconté son histoire, comment elle a fait pour avoir l'enfant, parce qu'elle cherchait l'enfant depuis. Et elle a appelé son bébé, bébé miracle, puisque l'enfant là ne devait même pas vivre. Elle a dit, hey, mon frère, on fait le japa, non. Mais le tout, c'est là, moi, je te dis, laisse. Ducamère, il commence à rire, il dit que mon frère, elle aussi, elle insulte les gens tous les jours, non. Elle japaptise, non, on va japaper. Donc il dit, lui qui accusait Lolo Fondia de faire tous les sujets sur la toile, il avait dit, c'est là que, est-ce que Ducamère se voyait bien? Est-ce qu'il voyait que lui aussi, il était dans tous les dossiers? Voilà. Voilà qu'il parlait ces choses, il parlait ces choses. Après ça, comme le direct était long, il savait, comme il parlait de tout là, il a commencé à parler des œuvres humanitaires. Il a dit que Longuet est le seul qui fait les œuvres humanitaires. On reconnaît, on sait que c'est ça, c'est le seul qui fait les vrais. Voilà. Il a commencé à dire que ceux qui font les litiges là, c'est la mendicité. C'est ce qu'il disait. Et il a mentionné la Reine Galloise en disant qu'elle peut payer en vacances, c'est pour s'enrichir par rapport au litige qu'elle envisage de faire pour aider les gens. Maman, quand il a dit ça, on a seulement bipé la Reine Galloise. Il dit qu'elle a pris un direct, elle a préparé la sauce gombo sur lui en vrai. Allez, regarde le direct. La sauce gombo du début à la fin, c'est Ducamère qui est dans la marmite. On tchoukou tchouk, on pile. Et les petits noyaux, oh, tu as fait la coiffure, c'était jaune. Oh, tu as d'abord deux pommes à genoux. Oh, les testicules, tu es castré. Donc, la Reine Galloise, et la manière qu'elle dit, elle ajoute encore le baranté, elle ajoute. Elle parle en français, vraiment. Je ne vais pas vous mentir. Allez écouter le direct là. Celui qui ne rit pas en écoutant comment la Reine Galloise déchire Ducamère. Elle déchire non-stop pendant 2 heures et plus. Non-stop. Elle a promis donc à Ducamère une bastonnade. Elle dit comme il est court comme quoi là. Ça, ce sont les propos de la Reine Galloise. Comme il est d'abord court, short comme quoi là. Elle dit qu'elle va rencontrer Ducamère la prochaine fois, que ce soit quand, elle va le tabasser. Elle dit, allez dire à Ducamère que je vais le tabasser. En vrai. Donc Ducamère, toi aussi. Et il a fait un direct le soir, il dit comment il ne peut pas insulter la Reine Galloise, ceci, cela, machin. L'anga était touchée. Que, mais elle a envie de se battre comme ça, là, avec son concept qu'elle a créé, sa petite visibilité, comme elle le dit souvent, que Fleur de Lis a fait pour elle. Donc, sa fabrication en venant de Fleur de Lis. Tu vois, tu es en train de dire qu'elle veut partir faire des vacances au pays avec les enfants en prenant l'argent des gens. Elle a donc rappelé, la dernière fois, elle a pris ses 5 millions de francs qu'elle avait, elle est partie au pays avec ses enfants. Elle a donné aussi l'argent aux gens sans faire de litige.
que tu n'as pas parlé de ça, pourquoi? Mais comment aussi, mon frère? Toi aussi, il ne faut pas exagérer. Toi, tu fais, on dit même que les boys, si on a le Japon, dans le Congo, ça, c'est ici, c'est là, mon frère. Tu nous souilles même. Nous, on est sur YouTube, nous, on met les vidéos sur YouTube. De temps en temps, on peut donner notre avis, comme on est en train de le faire maintenant. Mais toi, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas un problème avec Ducamer, mais moi, il dit que tous ces derniers temps, Ducamer, il est en train de fuck up très mal. Et il devrait un peu prendre du recul. Ça, c'est un message amical que j'envoie à Ducamer. Et c'est que tu suis Cameroun Afrique Japap. Tu connais mon profil. Quand il vient dans les directs des gens, je me déclare. Le nom de mon profil est là. J'ai dit que c'est moi Cameroun Afrique Japap. Parce que je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je parle partout. Voilà. Donc, Ducamer, il faut prendre un peu du recul. Ne laisse la reine galloise dans son coin là-bas. Laisse Alice la merveilleuse. Laisse Lolo Fondja. Toi qui disais que Lolo Fondja prend tous les dossiers sur la toile. Elle ne laisse rien. J'ai pris ton direct là, j'ai suivi. C'était samedi. Il était en train de chop. Moi, j'ai fait mon japa comme d'habitude en direct là avec les gens. Et après ça, j'efface. J'ai parlé, on a décrypté ton direct. Il a dit que, mais est-ce que tu te rends compte que toi-même là où tu es là, tu es en train de prendre tous les directs. N'oublie pas que sur ta page, tu disais que tu étais le grossiste du Congo. Ça voulait dire quoi? Non, mon frère, il faut arrêter. Tu peux t'en prendre à une reine galloise qui est dans son coin là-bas. Elle a ses fans là-bas. Elle anime tous les jours. Tu ne vas jamais écouter le direct de la reine galloise sans rire. Son français est un bracata, comme elle-même elle me dit là. Les gens, y a un moussa. Elle s'est fait rire. Mais mon frère, tu peux t'en prendre à elle. Qu'est-ce que cette dame-là t'a fait? Alice la merveilleuse, même que là-bas. Même quand tu dis que Alice la merveilleuse insulte, elle est sur Facebook depuis là. Tu as vu Alice la merveilleuse dans les classes avec les gens. Elle supporte son composition, elle supporte les loulons. Parce qu'elle est dans l'air direct, de temps en temps, elle fait les bons commentaires. Toi, tu es en train de partir voir un bébé. Tu as suivi même l'histoire de Alice la Merveilleuse. J'avais publié ça sur Cameroun Afrique Japan. Elle a pleuré quand elle racontait seulement comment son bébé était calé, ou c'est entre les trompes, ou c'est entre quoi là. Mon frère, le direct là même a cartonné. Un bébé qui n'allait même pas voir la vie, elle est fière de son bébé. C'est quoi ça? En Europe, là, on voit. Il y a les métis en Europe. Quand on te dit qu'il est métis, tu ne vas pas croire. Il te dit tu ne vas pas croire. Tout simplement pourquoi? Parce que si sa mère est noire ou son père est noir, les gènes de son père ont dominé. Mon frère, toi aussi, tu n'as pas fait SVT, mon frère. Mais tu as encore oublié SVT. Là, on a quand même fait un peu avant de partir faire les mathématiques. On a quand même un peu fait SVT. On disait les gènes dominants et les gènes qui ne dominent pas. Je sais même plus trop comment parler. On appelait ça, mais les gènes dominants. Massa. Si son bébé est presque noir, comme il est encore bébé là, je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une fille, c'est un garçon ou c'est une fillette, je ne sais pas. Mais en tout cas, si le bébé même a une couleur noire, parce que personne n'a vu, c'est Fashion Police qui a lancé les rumeurs comme ça là, personne n'a vu, elle couvre toujours tout. Si le bébé même est un peu noir, l'enfant est encore bébé. Sa couleur va venir. Et sa couleur, l'enfant peut même rester noir comme ça. Il dit qu'il y a des métis ici. On te dit que celui-ci est métis ou celle-ci est métis, tu ne crois pas. Parce que quoi, les gènes de son père ou de sa mère qui est noir, l'un de ses parents qui est noir, sont tellement dominants que tu vois seulement l'enfant une peau claire. C'est les cheveux maintenant qui peuvent être confirmés que voilà, l'enfant c'est métis. Et maintenant, il y a d'autres métis qui sont presque comme des blancs. Vrai, et du camé, tu le sais, je ne connais pas. Moi, j'avais vu, je crois, des photos de tes enfants un jour comme ça sur Facebook et tout. Mais ce sont les métis, quand on les voit, on sait directement qu'ils sont métis. Ça veut dire que c'est équilibré. Ton teint est pour ta femme ou bien les gars avec lesquels tu as eu affaire ces enfants. C'était équilibré. Il y a les métis ici. Tu dis que tu vois le métis ou bien la métisse, surtout la plupart, beaucoup de filles. Tu vois, tu dis que tu crois que c'est une blanche. C'est quand tu te rapproches bien, vous êtes proche là et tout, tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas une blanche, c'est une métisse. C'est comme ça. La peau est bien claire, ce sont les gènes de son père ou de sa mère, qui est blanche ou blanc, qui ont dominé sur ceux de l'autre. Donc, il ne faut même pas arrêter ça. La reine galloise a lavé le gars, déchiré, vraiment. Oh, moi, ça m'a seulement fait rire, parce que c'est déjà le direct que tu écoutes, tu ne te lasses pas, en fait. Tu écoutes ça, tu n'as pas besoin de zapper, malgré que le direct était long, 2 heures et plus, mais ça avait le goût d'écouter. Quand tu laves de manière humoristique, là, ça a trop longtemps. Donc moi, j'ai dit, j'envoie un message à mon frère Ducamer. Tu as dit que tu voulais venir sur YouTube avec tes vidéos et tout. J'ai vu que tu as commencé à faire. Allez vous abonner, c'est Ducamer officiel. Moi, je suis là. Si sur YouTube, maîtrise Facebook par rapport à moi. Moi, je maîtrise YouTube par rapport à toi. Tu m'écris, je vais te dire tous les contours qu'il y a. Parce qu'il y a vu beaucoup de choses sur tes,
sur ta chaîne déjà que moi aussi, ce que tu dis que tu veux venir sur YouTube pour exploiter ça comme nous on exploite de cette manière-là. Ce que je vais te dire ici, là, voici ce que tu ne vas pas faire, ici, tu vas, voici ce que tu ne vas pas faire. Là, moi, je te dis, du côté de YouTube, là, je maîtrise parce que j'appelle, je ne sais pas la 40e chaîne que j'ai sur YouTube. Je suis sur YouTube depuis longtemps et j'ai fait autre chose que le Japap. Le Japap, si c'était un truc qui était venu seulement il y a de cela quelques années et tout, voilà. Sinon, celui qui faisait le Japap était à côté de moi, c'était pas moi. Donc, pour te dire que à faire YouTube, là, je maîtrise, en vrai. Donc, tu connais mon faux profil. Bon, c'est pas un faux profil parce que je déclare ça de temps en temps quand j'arrive là et dirais des gens. Tu m'écris juste, je vais te dire voilà comment il faut faire. Tu vas développer ta chaîne YouTube et tu vas voir comment tu vas profiter de cela, gars. C'est comment? Il faut un peu laisser les ngaraïs parce qu'elles disent que tu es dans les Congos, ça, des ngaraïs et tout. C'est par rapport à ce que tu dis. Est-ce qu'elles vont venir nous dire ça, nous qui relions simplement ce qu'elles font sur Facebook? Elles vont pas venir nous dire ça à nous. Mais à toi, on te dit ça régulièrement et avec le PM. C'est parce que vous êtes là, vous venez parler dans les choses, vous venez les insulter pour rien. Laissez ces dames tranquilles, elles nous animent la toile. On sait bien que si elles ne sont pas là aujourd'hui, nous on va beaucoup souffrir. Tout le monde sait ça. Alors, c'était mon petit message que je voulais passer par rapport à Ducamer. La reine galloise, continue, nous sommes avec toi. Compressor la chancelière, continue. Fleur de l'île, continue. Tout le stand bracata. Allez-y, nous sommes derrière vous. C'est ça qui est la vérité. Ciao, ciao.